Salut tout le monde! Bonsoir à tous! Mon micro est allumé. Ouais, bien sûr. Mon son est presque prêt. Putain, je viens de voir, on est tour 100. J'ai l'impression d'avoir rien fait de la game en fait. J'ai l'impression d'être acculé sur mes bases, ce qui est le cas. J'ai perdu, à part la Moria Est, j'ai perdu toutes mes villes au moins une fois. Je viens avec la merde au cul. On est sur du tower defense abominable face à des factions avec un bien meilleur roster que moi. C'est compliqué. Mais c'est très très fun, hein. Attention, hein. C'est un bon challenge, hein. Je vais pas faire une World Conquest avec les gobelins, mais c'est amusant. Ouais, m'allier au Mordor, absolument. Il faudrait que je me croie. On croit tous en toi, tu parles. Tu parles. Il y a les trois quarts du chat qui sont là parce qu'ils ont eu une journée de merde, qui se font bolosser par leur femme et qui veulent me voir être malheureux pour se dire que leur vie est peut-être pas si merdique que ça. Hein? Bon. Oh, il y avait une énorme armée avec des gardes de Tarbad ici. Oh putain, je me rappelle, j'ai jamais affronté les gardes de Tarbad. Il y a deux généraux. Il y a Ducon. Et Bellamy. Bon, j'espère que le Dunlendings, il veut pas les attaquer les Dunlendings là. Et sinon, ici on est pas mal. Je fais de l'argent. Ouais, j'arrive toujours à faire de l'économie. J'ai une belle armée là-haut. Hein. À un moment, on pourrait peut-être tenter une descente sur Imladris. Hein. Ça a l'air plutôt calme. Ou alors, on part vers le sud et on va... Ouais, non, non. Ici, tour d'après, là, j'ai mes généraux qui arrivent. On va faire un corps de secours et on va essayer d'aller... renforcer la garnison de Ostendil. Hâte de revoir Norland. Bah Norland, maintenant, j'attendrai que le jeu soit fini pour y retourner et faire un petit run sympa. Je vais y jouer faire un run en solo pour mieux apprendre et tout ça. Là, c'était la démo du jeu. On attendra, je crois qu'il sort en mai. Il sort en mai, Norland. Oh là là, c'est quoi ce... Ok, il attaque. Il a une armée de zinzin. 153 gardes Cardol en 20 de défense. Les Dunedins, 17, 2 généraux, infanterie lourde. Il y a un monde où ça se passe pas bien du tout. Oh, c'est le champagne qui fait péter les subs. Merci. Putain, c'est le champagne, t'en as offert 50 sur ma chaîne. J'espère que tu peux te permettre, hein, de faire le mécène comme ça, de claquer ta carte bleue, hein. J'espère que tu peux te permettre de faire le fou, hein. Sinon, merci mec. Toujours apprécié, hein. On n'espère pas de surprise. Oh, j'ai très très peur, hein. Le Dunedain devient ingérable. Il m'envoie des stacks énormes avec des... Bon, ici, on va faire mes exploits habituels, hein. On n'a pas le choix, hein. Comme ça, là, hop. Marakai. Marakai en première ligne. Sur les deux côtés. Allez, passe. Voilà. Oh, mon capitaine, je vais le garder précieusement derrière. Ici, j'ai des archers qu'on va mettre sur la colline, là, pour s'abattre. J'aurai mes troupes anti-armure. J'ai quand même encore pas mal de T2, dont des anti-armures. Ça va faire le boulot. On va venir bloquer tout ça comme ça. Chiltron. Est-ce que je mettrais pas un chiltron pour bloquer la cave? Si. Allez, mais... Enfin, je vous jure, le jeu, des fois... Le problème, c'est que de ces cartes, c'est qu'elles n'ont pas été designées pour ça. Pour ce genre de... d'armée. Voilà. Là, je vais mettre aussi une deuxième ligne. Voilà. J'aurai de l'anti-armure en réserve. On sait jamais. Et là, j'aurai des gobelins lourds en réserve. J'ai quand même une belle unité de gobelins lourds à 127. On prend, hein. C'est pas mal. Une alliance avec Enel West pourrait être utile. Je sais même pas. Tu sais, là, maintenant, moi, là, je suis acculé à mes bases. Je vais pas. Tu sais, j'ai plus d'influence à part prendre des coups et essayer de survivre. Hein. C'est pas moi qui vais gagner cette game. Hein. C'est pas moi qui vais faire quoi que ce soit. Hein. Là, je suis. C'est compliqué pour moi. Hein. Très, très compliqué. Hein. Moi, mon but, c'est de survivre maintenant. Et ça sera déjà pas mal. Be ready.
Pas trop près. Il faut que je laisse bien rentrer. Voilà. C'est une belle armée en plus. Hein. Il a cavalerie lourde. Archer de cave. Archer de cave. Général. Et infanterie moyenne. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse du tout. Va falloir que mon Wrangler... Si mon Wrangler fait pas des coups de incroyables, je ne gagne pas cette bataille. Simplement à la qualité de ses troupes. Il a une meilleure armée que moi. J'ai du giga clodo là. Même si je commence à être... Oh là là, et je mets les archers qui se régalent. Okay. Allez. Mais Wrangler, tout repose sur toi, sur une unité. Faut que ça fasse des coups au but. Allez, on rentre tranquillement. On espère que voilà, là... Allez, c'est parti. Que la fête commence. Allez. Allez. Un peu de chance, un peu de réussite. J'en ai besoin. Oh non, non, non. Ok, viens. Non. Hop. C'est parti. Oh, pas mal. Pas mal. Pas mal. Bombe. On prend. Oh, le deuxième aussi. Non, trop long. Oh, celui-là a été incroyable. Celui-là a été incroyable. Oh, ça, c'est beau, hein. 23% de perte en un tir. Alors, le chat, vous avez vu ça? Les Wrangler. Superbe. Là, on va taper là-dedans. On va essayer de viser les généraux. Voilà, les tenir dans votre garde. Allez. Pour une fois, t'es négatif. Tu vas voir, je vais en refaire des beaucoup là. Et là, on va attaquer. Bon, c'est parti. Il est beau. Il est beau. Un peu court. Pas mal. Il y en a un autre qui. Oh, j'ai eu peur. Coupé. Oh, celui-là est bien. Celui-là est magnifique. Allez, boum. Allez, ça brûle. Le feu, ça brûle. Charlie et Lulu, si vous avez la ref. Tiens donc, Hiero. Quelle mielleuse surprise. Pas de QR code. Du nez d'un ou pas, ça rentre pas. Hein. Oh putain, ici ma garnison qui se fait. Oh, c'est de l'infanterie légère, mais ça va me croquer. Mes archers, feu à volonté aussi. Hop. Oh, il part bien, il part bien, il part bien. Magnifique. Eh, pas mal. Celui-là est... Oh non, il est au milieu, celui-là. Oh. Ok, on en ratatine un. Ça fuit. Ça fuit déjà à 60. Ça fuit à 60. C'est bon, ça. Eh, on aura déjà fait 40% de perte. Hein. Oh, mais mes garnisons se font éclater. C'est tellement de la merde, les garnisons gobelins. Vous imaginez deux ou trois Wrangler en défense? Oh non, là, je voudrais bien taper dans le tas, mais ça va être compliqué. Oh là là. Allez, coupé. Loupé, putain. Ici, on va aller attaquer la cavalerie. Voilà, et il faut me les manger, les Warden. Hein. Oh là là, il y a la cavalerie lourde ici. Celui-là est beau. Celui-là est magnifique. Pas mal. Celui-là est parfait. Boum. Oh là 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 là, ça brûle. Hein. Oh, ça brûle bien. Hein. Et celui-là? Non, celui-là est un peu court. Il est parfait dans la cavalerie lourde, allez! J'ai de la chance là. Hein. Il me fait des très. Ils me font des beaux tirs, les Wrangler. Mais il me faut ça. Hein. Regardez, sa cave me mange. Sa cave me découpe. Hein. Le fion. Pareil pour son infanterie ici.
C'est terrifiant d'affronter le Dunedin là. Celui-là est beau. Mais un peu. Ah. Ça a brûlé. Ça a brûlé, pas mal. Un peu court. Allez. J'ai bientôt plus de munitions. Allez. Non, vous savez, là j'ai un gros problème, c'est qu'il y a deux généraux dans le tas. Hein. Il y a deux généraux dans le tas. Et là, je suis déjà en train de perdre. Putain, c'est compliqué, hein. C'est très très compliqué, hein. Ouais, je lui ai fait 50% de perte, mais moi je prends aussi de 30% de perte, quoi. Putain, bah, je perds. Je vais engager mes gobelins lourds en renfort. Là, je vais peut-être faire du friendly fire, mais je prends des risques pour taper dans la cave lourde. Allez, tire. Tire. N'aie pas peur. Envoie la sauce. Oh! Putain! C'était l'entièreté de mon armée. Le Wrangler a fait un tir. Parfait dans mes troupes. Voilà, voilà. 103 mecs en fuite. 103 mecs en fuite. Ils vont se reformer. Attaquer. Non, voilà. Ça suffit là, à un moment. Faut arrêter de... Oh, celui-là est pas mal, non mais oh. Celui-là est pas mal, allez, allez, non mais... Il est pas mal. J'ai le général! Un général en moins! Allez. On se reforme. Là, on va envoyer de la viande. 66% de perte. Ça tient! Comment ça, enfin, espèce d'enculé, bah! C'est quoi ce support en streamer, là? Putain. Allez, mets-moi un coup parfait là-dedans, là. Oh oui! C'est pas mal, non? Un peu court! Tape dans le tas là! C'est pas facile pour un Wrangler de faire un tir aussi parfait. Oh là-bas, j'ai perdu. Bon, là, j'attends de cramer les munes du Wrangler et on va passer à l'attaque. Hein. On va passer à l'attaque. La cave lourde, elle est ingérable. Je suis même pas sûr que je vais gagner. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Ok, les Wrangler ont tout cramé. Il est temps de passer à l'attaque. On va les encercler. Il y a encore un général dans le tas. Je n'ai plus de réserve. Et là, c'est les gobelins lourds. Oh non, mais la cavalerie du Nédin. On est... Ouais. Oh là, c'est des hommes d'armes. Ils sont 21. Allez. On va essayer de les encercler. Il a un moral qui est quand même un peu pas exceptionnel. On va amener une capitaine. Les archers, ça va servir d'un canon. Oh, j'ai mes mecs qui fuient. Ma garnison, bah ouais, j'ai pas de général là-dedans. Je sais même pas si je vais gagner. Je sais même pas si je vais gagner à cause de la. Oh, les dunes d'un petit car 45, ils vont m'éclater. Je pense pas que je vais gagner cette attaque. J'ai simplement la qualité des troupes. Je ne joue pas la qualité. Une fois sorti de mon Wrangler. Et le tir parfait du Wrangler dans mon armée n'a pas du tout aidé, malheureusement. Il n'y a plus que 5 caves lourdes. Il va falloir s'occuper. Voilà. Voilà. Allez, ici. On est en train de tomber grâce à des perses armures. Les armsmen. J'ai mon général qui lui est toujours vivant derrière. On les grignote. Allez. Plus que 4 caves. Là ils sont 49. Oh. Le problème c'est que les T1. Les T1 du Nédin, c'est mes T3 à moi. Vous voyez le problème? Si je fais pause là. Mes T2, ils ont 14 d'armure.
Le T1 Warden du Nedain, eux, ils ont 17 d'armure. Le T1 a plus d'armure que mon T2. Ce qui est pas sans poser un problème en bataille. Ok, ici, c'est passé. On va amener la racaille. On va venir charger. Allez. Les perses armures dans les 4 bodyguards. Là, vous venez me les sabater. Voilà, d'élite. Et toi, tu viens attaquer les archers dans le dos. Oh là 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 là. 41. Deux. Il reste plus que 2 cavaleries. On avance. Mais les serveurs du Wrangler, je peux pas les envoyer au combat parce que je veux essayer de les économiser pour la prochaine bataille, si prochaine bataille il y a. Allez, racaille contre racaille. Allez, là ça tombe, les dunes d'un bodyguard, mine de rien. J'ai quelques troupes lourdes anti-armure qui font le café. Voilà, allez. Attaquez-moi ça. Il reste plus que 2 cavaleries lourdes. Je vais envoyer mon général. Filer un coup de main. Au niveau des pertes, on est à 63 à 81. Je suis en train de m'effondrer au niveau des pertes. Et mes unités sont dans le jaune. Hein. Shaken, c'est pas bon signe. Et lui, il est bien, hein, 35. La bataille se passe bien. Là, il twerk avec son infanterie lourde. Hein. Tranquille. Ouh, ce qu'il lui a mis. Bam! Et hop, ça tombe. Voilà, un cavalier en moins. Allez, si on grignote. Ça, c'est de la milice archère de Vrie, c'est de la merde. Là, le problème, c'est si vous pouvez tuer le général, là. Non, ici, il est mal placé. On voit dans l'autre sens. Voilà. 30, ça tombe. Ça fuit. Ça fuit. Ça fuit. On va les encercler. On va les encercler. On va attaquer. On va la gagner, celle-là. On va la gagner, j'espère. 88% de perte. Général encerclé. Ça fuit. 15. Warden encerclé. Allez. Et là, regardez-le là. Seul. Seul. On a survécu une autre bataille. Et on a mangé une belle armée. Hein. L'état de mon armée, c'est catastrophique. J'ai plus de calme. Il est allé. Bon, on lui a quand même mangé 2 générales cette bataille. Hein. Bon, allez, il faut manger. Hein. Allez, mange-moi ça là. Facile. Oh, le général. Le général du Nedain dans le coin là, il se laisse désirer. Hein. Ne parle pas des Tarbas de Royal Guard, je ne les ai jamais eus et je ne les ai jamais affrontés. Je fais prout. Voilà, j'ai la merde au cul. On a eu le capitaine. Non, c'est le. Non, c'est bon, c'est lui. C'est Durone. Voilà, c'est bon. On l'a eu. Ah, ils se battent jusqu'au bout. Ils se battent jusqu'au bout. Ils tirent en plus, ça. Ils se battent jusqu'au bout. C'est indécent comment c'est fort. Je me suis fait éclater. J'ai perdu 1000 hommes. Tu sais pourquoi ça cave, tiens? Parce que je ne lui fais pas de DPS. Je n'ai pas de troupe anti-cave bonne. Lui, il a 30 d'armure, là, entre 20 et 30 d'armure. Je ne lui fais pas de dégâts. Je n'ai ni perse armure, mon anti-cave fait quasiment rien. Voilà pourquoi ça cave tient. Mon armée, c'est de la merde. On est tour 100, je me bats avec des clodos et des bouts de bois. Et ça se voit quand j'affronte des Dunedain en cave lourde. Heureusement qu'il n'y a pas les chevaliers d'Aluminas, là, parce que avec Gandalf, parce que putain... Oui, allez, j'exécute un. Oh, mais non! Non! Ok, ils battent entre eux. Je crois
Je crois que j'ai peut-être un tour de répit. J'ai peut-être un tour de répit. Ouais, bah Bruno, il attaque. Oh, envoie. Ok. Le Dunedain, il est ingérable. Le Dunedain est ingérable. Je vais avoir... Au moins, je vais économiser de l'argent. Avec toutes ces pertes, la campagne maudite... Non, mais c'est sport. C'est très difficile, très difficile. C'est la première fois qu'on fait une campagne streamée très difficile. Ça se voit que c'est difficile. Vous vous attendiez à une World Conquest ou un truc comme ça. C'est normal que je sois... Avec une des factions les plus merdiques. C'est pas bon le gobelin, hein. Surtout quand vous êtes entouré l'elfe et les Dunedain, qui sont top tiers au niveau roster. Ça se voit que j'ai pas une bonne... sur le champ de bataille, je me fais péter la gueule, quoi. Oh là là. Ok, il m'a pas attaqué. Je ne sais même pas comment je suis encore en vie. Je vais recruter toutes ces racailles, là. Oh, au secours! Je peux même pas sortir de chez moi tellement il y a... Oh là, bah, je suis assiégé. On va aller regrouper ça ici. Ok. J'ai du Wrangler en train d'être fait. On va continuer à investir dans du général, dans des gobelins lourds. Là-haut, l'armée. J'ai des trolls. Je vais faire mes premiers trolls. Hein. Anti-armure, hop. Ça va être l'armée qui va aller prendre Imladris. Hein. J'y vais. Hein. Je vais aller attaquer Imladris. Hein. D'ailleurs, est-ce que pour Imladris, je prendrais pas éventuellement toi, là, et t'irais pas retourner dans le nord Bon, ici, je dois me faire une raison. Je vais annuler la construction. Oh, putain, je pouvais même faire une... Ah, c'est intenable. C'est un nab, mais on tient! Patati! C'est fun, tu vas dire. C'est fun. C'est dur, mais c'est fun. Ici, on pourrait mettre une hutte des charpentiers. Je fais encore de l'argent. Tant que je fais de l'argent, c'est pas perdu. Et oubliez pas, pendant ce temps, le Bordeaux est en train de pousser. Minas Tirith est tombé en fin de session dernière. Le but, c'est que je tienne. Il a 3 stacks au sud, je sais, il y a la garde de Tarbad qui est là. La garde de Tarbad. Après, le Dunedain est là pour faire chier. Le Dunedain a encore sa capitale, et le Dunedain est très très fort. Et ça force le Dunedain à envoyer des troupes. Donc ça fait diversion. Ici, j'ai très peur. J'ai Wrangler, catapulte. J'ai pas grand chose pour défendre. J'ai que... Vous comprenez que mon T1 n'existe pas. C'est sport. Bon bah écoutez, j'ai peur de passer les tours, hein. Mais faut y aller, hein. À la bagarre, hein. Putain. Ok, son armée dégage. Allez, vas-y, casse-toi avec ton super stack, là. Bon, là, j'ai peur. J'ai peur que ça tombe, hein, malheureusement. Ils ont une armure dorée, mais gobo, ouais, ils ont une armure dorée, ouais. Tu vois, le cuir a été poli. Tu vois, économiquement, c'est comment? Acceptable. À peine acceptable. J'arrive à faire un peu d'argent, mais pas assez. Non, c'est juste que le Dunedain est très très fort. En très difficile, le Dunedain... Spam. C'est le problème, c'est qu'il spam de l'élite. Osgiliath est perdu, ça c'est une très très bonne nouvelle. Mordor Supreme, hey! Le but c'est que je tienne, hein! Oh là là, deux villes assiégées. Oh. J'ai réussi à recruter quelques troupes de Clodo. J'ai quasiment plus de T2. Plus de T1 Perse Armure. J'aurais toujours mon Wrangler pour faire du kill et on va espérer un miracle, hein. On va espérer un miracle. Là-haut, on continue de préparer la future offensive. Voilà. Et là... Est-ce qu'on passerait pas à la contre-attaque? J'ai très envie de passer à la contre-attaque. J'aime pas trop subir. Moi, je propose ça. Comme ça, l'élite. Wrangler, baliste. Tous les T2.
arbalète, anti-armure, c'est une superbe armée goblin que j'amène, et de l'archer. Pas gérant, comme ça. Et là, on va retenter un mouvement. Et là, j'aurai un Wrangler en défense, j'aurai de la bonne troupe qui va arriver, hop. Là-haut, baliste, petite anti-cave. Voilà. Je suis encore dans la game. Je suis encore là avec des armées. C'est une très belle armée que j'ai là. De l'anti-armure, Wrangler. Et on va aller tenter, si je la perds, d'aller la reprendre. Je ne laisse rien passer. Tant pis, je vais même prendre le bras. Voilà. Let's go. Je tente ma chance. Et après, là-haut, je vais aussi passer à l'attaque. Je vais attendre que les trolls soient là. Je dépense tout. Je suis un dingue. Je suis très très fier de mon emote Gérard Larcher et Jean-Luc Mélenchon. Ok, oh là 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 là, mais j'ai... Il est non seulement plus nombreux que moi, mais en plus il a la qualité, il y a du Blade Master, de l'Armsman. On va essayer d'en tuer le plus possible. On va essayer d'en tuer le plus possible et préparer l'arrivée de ma prochaine armée. Bon. On va faire le gros dos, hein. On va faire le gros dos. Voilà. Wrangler. On va mettre le Wrangler le plus près possible, vous voyez. Pour vraiment qu'il fasse un tir précis. Là, j'ai du gobelin, mais j'ai du gobelin qui est pas fait pour le combat, c'est... Regardez les stats. 2-2 59. Oh putain. C'est tout ce que j'ai pu lever. C'est tout ce que j'ai pu lever sur mon tour. C'est ça. C'est tout. Donc, on va juste faire un pâté. On va faire un pâté de troupes et on va essayer de temporiser. Là, j'aurais quelques troupes un peu plus quali, si ça avait à essayer de pousser. On va plutôt faire ça, comme ça. Là, ma racaille, elle va aller là. Oh, c'est compliqué. Très, très compliqué. Comme ça. Puis là, le général, il va rester là et... Ah, c'est tout ce que j'ai. Ok. Well, well, well. Estime-toi heureux, ouais. Ouais. Allez, c'est parti. On va essayer de survivre le plus longtemps possible et faire le maximum de kills dans cette grosse armée. Ah oui, les snagas sont comme totalement des éponges à flèches, hein. C'est juste que j'ai rien d'autre. Hein. Putain, c'est que de l'élite. Double Dunedain Arsman, des Warden. Je vais essayer. Blade Master. Non, mais au secours. Deux de ces unités peuvent presque manger mon armée. Bon, bah, les Wrangler vont devoir faire un miracle. Hein. Putain, en plus, mes Wrangler, ils devenaient bons. Hein. Au niveau précision, ils étaient superbes, mes Wrangler. Oh, je prends la sauce. Oh, regardez les pertes! Les pertes que j'ai pris dans mes garnisons, c'est indécent. Eh ouais, mais j'aurais pas dû mettre les deux garnisons ensemble. C'est moi qui ai fait de la merde, j'ai fait un pâté. Il m'a enlevé 50 mecs dans l'unité. Allez, le Wrangler. Tape là-dedans. On a lancé à la fesse, hein. C'est parti. Hein. Chocos, merci pour ça, bah. Allez. Il me faut beaucoup de chance maintenant. Il faut que les tirs passent. Et pas dans mon armée si possible. Oh, il est beau celui-là, il est pas mal. Allez, boum, la cave. Celui-là est beau. Oui, bam. Oh, la nuke qu'on vient de lui mettre. Superbe.
Vous avez vu la nuque qu'on vient de lui mettre? Ils vont son pesant de cacahuètes celui-là. Allez, on recommence. Un ou deux comme ça. Oh là là, il est paqué, regardez comment il est paqué, c'est ma chance. Tire. Oui. Oui, allez. Boum. Oh mon Wrangler. Allez, encore deux. C'est parti. Il recommence, non, trop loin. Trop loin, trop loin, et encore trop loin, pas mal. Allez, un autre. Non. J'ai plus aucune troupe. Oh mais non, mais... C'est la catastrophe. Mes mecs ont fui. Je vais amener la réserve. Je vais amener la réserve. Mais la réserve, c'est... J'ai plus de réserve. Putain, les Wranglers. Qui font trop de kills. Allez, on bouche les trous. Allez, tire. Oh, putain. Okay, ça suffit là. Tire derrière dans les Bane Master. Et l'autre qui est bugué là. Allez, on a bouché le trou. Allez. Oulala. Allez, la visée. On aura fait des kills hein. 45% de perte hein. On a fait très très mal hein. Allez. Je compte sur vous, ne me décevez pas. Il faut faire des coups parfaits là pour nettoyer ça. Allez. Mais tirez bande de connards. Tire pas. Pourquoi il tire? Ils auraient déjà dû tirer. Il tire pas. Il tire. Boum. Pas mal. Et les deux autres là. Et les deux autres, qu'est-ce qu'ils foutent? Allez! Tire, bordel de merde! Je peux pas tirer. Ok, je vais mettre une cible plus lointaine. Et tout est d'un ranger derrière. Peut-être que là il va tirer. Oh là là, mes gobelins vont. Mes snagas vont pas tenir longtemps. Oh oui, il est pas mal! Il est pas mal! Ça continue de tomber, allez! Allez! Mes garnisons se sont reformées! C'est là que j'avais fui tout à l'heure, après les accidents des Wranglers. Allez! J'ai encore pas mal d'obus à faire à péter. Sauce-moi ça! C'est mon capitaine qui vient de tomber. C'est mon capitaine, je crois. Une mort noble. C'est mon capitaine, c'est une catastrophe. J'aurais dû le retirer. Bon là on va taper dans le tas. Maintenant, hop. Pardon, je vais tenter ma chance. Allez. Non mais c'est trop près. J'ai encore trop de troupes. Hein. Il ne reste que 50% de l'humaineur, putain. C'est du... Ouais. C'était une belle armée, hein. C'était... Prendre 50% de ce stack, c'est pas mal. Il faut que je crame tous mes... Allez, pas mal. Non. Celui-là est pas mal. Oh, mais... Ouais, non. T'as rendu les deux. Bon, on a fait quelques petits kills, là. Ouais, je t'apporte pas. Maintenant, je t'apporte pas. La cavalerie, là. Loupé. Oh, mes mecs fuient. Crac. Ça lâche. Okay, là maintenant je vais taper. Là. 81. Un tir tendu agressif.
Et tant pis si je crame mes mecs. Ouais, ça casse à 57. D'un mec, 3 Wranglers, ça serait incroyable. Hein. 3 Wranglers là sur la longueur. Tu ratiboises tout. Hein. Oh là là là, c'est en train de lâcher. Tire! Tire, Toton! Il tire pas. Oh non, la cavalerie! Non! J'allais tirer. Et c'est fini. Malheureusement. Ouais. 60% de perte, c'est pas mal vu l'état de mon armée. Ouais, si on tue encore un petit peu, mais là, on a perdu. On aura fait quelques beaucoup quand même. Regardez celui-là, là. Oh là 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 là. Là aussi, on avait fait un beaucoup. On aura fait des pertes quand même. Faut rendre compte que c'est les Wranglers qui ont fait les pertes. Hein. C'est les Wranglers qui ont bien travaillé. Allez, on va aller jusqu'au bout de l'armée. Là, les Bane Masters me découpent. Ils sont faits pour tailler du givron comme moi. La racaille. Et là, tac tac tac. Bon. J'ai une autre armée qui arrive. Les stats du Wrangler trop tard. C'est pas comme si je m'étais fait totalement péter la gueule, quoi. Tu veux juste les stats du mec, voilà, les stats. Putain, je viens de perdre une ville, là, tu vois. Pour la troisième, je crois que celle-là, j'ai perdu deux fois. Ou trois fois depuis le début. Mes villes sont intenables. C'est spam après spam. Putain, et il a même un autre stack derrière en réserve, quoi. Est-ce que ça passerait pas en auto-battle? Eh, on check. Hein. Victoire claire, je prends. Et on exécute. Allez, casse-toi. Casse-toi. J'ai à peine le temps de respirer. Jouer du leader et les affronter, c'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil, hein. Quand tu les joues en difficile, c'est pas la même histoire. Hein. Quand t'as un demi-stack comme ça, t'es le roi du pétrole, hein. Avec Aragorn. Oh, putain, Imladris qui est vide. Je vais y aller à Imladris. Hein. Imladris, je vais y aller. Hein. Ça rend du sens, c'est compliqué. Je viens de perdre ma ville après une... Mes Wranglers font de leur mieux, mais ça suffit pas. J'ai perdu une ville encore. Encore! Putain. Putain de nom de Dieu. Je tente ma chance, hein, je m'en fous. Hein. Ostendil, on va faire le siège. Et je fonce. Hein. Hop. Et là, l'armée est bientôt prête. Hein. L'armée, tour d'après. Tour d'après, on y va. Tour d'après, on part direction Imladris. On va aller faire le siège d'Imladris. Voilà. On va réparer les murs. C'est parti. Et là, on a reçu des renforts. On a un Wrangler en renfort. Je vais envoyer mon Wrangler là-haut en... Hop là, en défense. Ouais, mais j'ai plus d'argent. Hein. Mon income... Oh, regardez ce qui arrive. Ça va commencer à devenir difficile de défendre. Amener du gobelin lourd. Oh là 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 là. C'est compliqué. Hein. Bon là, j'ai des troupes qui vont sortir. Des archers supplémentaires. Je suis... Tu as des trolls pour Imladris. Ouais, j'aurais un troll pour Imladris. J'aurais beaucoup de T2. J'aurais. J'ai même pas recomplété mon Wrangler, c'est une blague. Il me faut 1300. Ok, elle va te faire foutre. Voilà. Voilà. Et. Est-ce que. Je vais lever
quelques troupes de def supplémentaires. Oh putain, oh putain, c'est parti. Chaque tour, je chie dans mon ben. Là, vous savez qu'il... Putain, il a des stacks pas loin. Oh, le... C'est facile à défendre. Mais est-ce que c'est facile à prendre? Pour le défendre, faut déjà que je le prenne. Putain. Avec des experts du chat comme ça, tu m'étonnes que je sorte pas de mes putes de ma putain de Moria. Mais bien sûr que le T3 Noldor, il prend la moitié de l'armée à lui tout seul, s'il est bien placé. Il faut que je tienne. Faut juste que je tienne le plus longtemps possible. Dol Guldur est mort, voilà pas une bonne nouvelle. Oh, Dol Guldur vient de tomber. L'Anduin de Prosper. Non mais regardez, il y a les gardes de Tarbad et tout. Qu'est-ce que je fais? Je peux pas attaquer ça. Il y a juste trop. Je vais me replier. Et on va commencer à jouer full def. On va répartir les armées entre Khazad-dûm. On va mettre les Wranglers. S'il faut mettre deux Wranglers, des balistes. Et on va bétonner ici. On va essayer de manger les stacks du Nédain. Et là-haut, je vais passer à l'offensive. Contre Imladris. Lui est un bon général. On va prendre toute l'armée. Sauf un gibbon. Deux gibbons. Peut-être que j'ai fait une connerie. Ouais. Tant de ma chance. Il a combien de stats le Dunedin? J'en sais rien. Beaucoup trop. Trépus de PP, putain, avec ton pseudo, toi aussi. Je te retiens. Ouais. Je vais devoir me replier. On a vu que les Wranglers sont très très forts en def. On va devoir utiliser mes Wranglers en défense. Et utiliser le terrain favorable à Khazad-dûm pour mettre des balistes et défendre avec des balistes sur la hauteur. On va devoir jouer comme ça, pas le choix. Un Wrangler dans chaque, baliste dans chaque. Et on va bétonner autant qu'on peut bétonner. Je n'ai officiellement plus d'argent. Je perds 2000 d'income par tour. Je suis au bout de ma vie. Je suis au bout de ma vie, ça y est. Là, c'est compliqué. Hein. Oh putain, direct! Direct! Et avec un putain de bon général! Là, je sais même pas si je vais tenir. Hein. Là, je pense qu'il va la prendre, la ville. Hein. Alors là, peut-être qu'avec un peu de chance, ça passe tranquille en auto. Victoire claire, c'est parfait. Voilà, casse-toi. Allez, Afuera. J'espère qu'il m'adresse à porte des thunes. Une petite défaite dans le sud et une à Imladris et tous les problèmes de thunes sont gérés. Ah, il n'a pas tort. Il a pas tort. Bon, on serre les fesses. Je pense même pas que je vais réussir à défendre à Brunost. Dol Guldur Final Stand. Le leader du Harad est mort. Karmdun sous siège. Et Dora s'assiéger, ça c'est une bonne nouvelle. Non mais oh. Il me poursuit. Est-ce que... Yes, ok. Je vais pouvoir. On va partager l'armée. On va mettre des armes de siège sur les deux provinces. Voilà, on a Wrangler et compagnie. Et on va disperser
les troupes sur les deux. Voilà. Voilà. Et on va simplement défendre. Faire du tower defense sur les deux. Voilà. Le warg pour la poursuite, il sera bien à Nomen Orod. J'ai des archers ici. Non, là j'ai pas mal d'archers. On va pouvoir mettre les archers à la Moria. Voilà, tant pis, on s'adapte. Si ça passe pas, ça passe pas. Les orques lourds. Et on se retrouve avec quand même des belles armées en def. Trois phalanges défensives. Trois phalanges défensives. C'est bon tout ça. Voilà. Voilà. Allez hop. Parfait. C'est parfait. Ah, j'ai peut-être fait une petite erreur, j'aurais... Tant pis. Et là-haut... Attendez, il y a un coup à jouer. Allez, casse-toi. Je peux attaquer tout de suite. Vous pensez que ça passe pas en auto-battle, ça? Nom de Dieu, je la prends. Rien à foutre, je la prends. Quoi? Vous avez rien vu? Vous avez rien vu? Quoi? Quoi? Skinny shoes. Oh putain. Le corbeau. C'est compliqué, hein, ce soir. No sleep in here. On se tourne, sachant qu'il a 4 unités en def. C'est vrai que ça vaut presque le coup d'attendre que peut-être des armées... Non mais... Avec quel général il défend ça? Ou alors on attaque direct. Je pense que je vais attaquer au tour suivant. Il y a que de la cave. Il y a Valis et Brengler. Ouais mais comment je les amène? Le truc c'est que... C'est que de l'élite qui est là. C'est des Kalenki Lord, 60 Kalenki Lord, des Eldarwen Rehroken. Il va falloir que j'aille prendre les murs. Et tour d'après, on attaque, ok? Il n'y a aucune unité elf. Ici, on est en def, on bétonne. Et c'est parti. Allez. Fais autobus d'attaqueur. Non, on triche pas. Je préfère perdre que tricher. Oublie pas la garnison et l'adresse. Ouais, et il y a 4 unités. Oh putain, regardez ce qui arrive. Let's go. J'aurais dû peut-être plus bétonner à Khazad-dûm, j'ai peut-être fait de la merde. J'aurais dû mieux bétonner à Khazad-dûm. À Khazad-dûm, je crois qu'on va avoir 3 unités de garnison. Oh là 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 là. Je prends un assaut en règle. C'est quelque chose, hein. T'as des trolls qui vont aller défoncer les Kalenki Lord. Moi, je crois plutôt que c'est les... Il a des Kalenki Lord qui vont défoncer mes trolls. Hein. Je crois que tu sais pas comment ça marche, hein. Les Kalenki Lord, va falloir y aller à 3 contre 1 avec de l'anti-armure pour que ça passe. C'est parmi les meilleurs généraux en infanterie lourde du jeu, les Kalenki Lord. Bon. J'espère que le Mordor bosse pendant ce temps. Imladris assiégé, c'est Bibi. Mon Gundabad assiégé. Bon. C'est parti. Imladris.
Cette fois, c'est pas l'armée de merde que j'avais la dernière fois. C'est pas l'armée de merde que j'avais la dernière fois. On amène quand même de la qualité. On va prendre des murs d'assaut. J'aurai Baliste et Wrangler en deuxième ligne. Et j'ai énormément d'anti-armure. L'anti-armure, ça m'a bossé. J'ai de la racaille. J'ai des tireurs. Une pluie de flèches. J'ai des trolls. Général. Je vais plutôt mettre des clodos. Des clodos pour le bélier. Ça sera, c'est eux qui vont prendre les coups en premier des tours. En général. Et je pense que je peux mettre que deux échelles sur le truc, dans le boot. On va mettre ça comme ça. Et je crois qu'on est bon. Voilà. La racaille va être là pour prendre les flèches. C'est parti. C'est une belle armée que j'amène. On va tout envoyer. On va tout envoyer. On va saturer les défenses. Je vais garder mes trolls en réserve et mon général pour que je prenne pas un coup de baliste malencontreux. Voilà. Pour l'instant, vous savez que s'il me laisse rentrer... Non, non, il va pas me laisser rentrer. Il va pas me laisser rentrer. Par contre, tout ça, c'est de la cave qui est assez vulnérable à mes troupes... Attendez, petite pause. Normalement, là, eux sont anti-cave, hein. On est clair, ouais. Skill Gun Mount, c'est logique. Et ça, c'est les garnisons. Toutes les garnisons. Objectif, prendre le minimum de pertes, hein. Allez, la racaille arrive. La question c'est, est-ce qu'il va tenter une sortie? Est-ce qu'il va sortir? Ok, je prends pas de perte. Ah mais il avait pas d'unité à proximité. Ok, on va se mettre en place. Là c'est les défenseurs elfes qui vont se faire ouvrir je pense par mes les infanteries lourdes. Je vais commencer à amener les Wranglers. J'espère que les Wranglers ils peuvent venir. Allez, on prend les murs d'assaut. Si on peut gagner avec le minimum de pertes. Ah, les garnisons elfes avec les armures là. Très très joli. Les Kalenki Lords. Ah non, ça c'est les Kalenki Lords. Ah non, ça c'est de l'archer. Ça c'est les Kalenki Lords. Ça c'est les Kalenki Lords. Voilà, battez les Gigachad. Oh, la sauce que je prends. Allez. Voilà. Et le bélier, qu'est-ce qu'il fout? Ok, le bélier arrive. Allez, on prend les murs d'assaut. Il y a une première garnison d'elfes qui est là. Et dès qu'on sera rentré, je vais rentrer en force avec les phalanges. Les trois phalanges vont rentrer avec pour but de mater la cavalerie. C'est parti. Les trolls, on va les garder en réserve. Voilà, allez. Au moins, ils ne défendent pas sous les murs. Le bélier arrive. On vient s'installer tranquillement. Voilà. Ouh.
Ouais, c'est vrai que ouais, les Noldor. Bah, après, il y a tout, hein, comme je dis, les troupes Noldor. J'aime bien les troupes Noldor en gris, argent comme ça. Elles sont super classe, ces troupes chaudes. Allez. Déjà, on a pris les murs. On va attendre que ça saute. On va accrocher la cavalerie. Et une fois qu'on aura fait un terrain là propre, on pourra amener le Wrangler et les balistes. On va essayer de faire une tête de pont. Oh non, ils sont bloqués, c'est une blague. Non, non, regarde, 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 regarde! Qu'est-ce que tu racontes comme conneries, Bubok? Allez, là, ça tombe. 14%. Ici, on est monté. On va faire monter un autre régiment. On va se préparer à faire monter un autre régiment. Les trolls, ils vont rester un peu en réserve. Les chanteurs, on les amène. Allez, 67%. Allez! Ça dégage. Et c'est parti. On pousse. Trois unités anti-armure de phalanges lourds qui rentrent. Et on prépare à sortir des murs sur les flancs pour les... Allez, on rentre! Et là, on va les attaquer. C'est parti. Parfait, il n'a pas l'air décidé à bouger. Ça me va très très bien. Ne bouge pas. Ici, on sort. On attaque. Oh, voilà, regardez-le, il est à moitié bugué. C'est bon, ça, on prend! Allez! Salut! Magnifique. On va pouvoir faire rentrer de la viande. Hein. Ça y est. On fait rentrer tout. Hein. On fait tout rentrer. Les archers sur les murs. Les trolls. Là, on est en train de les manger. Eh ouais, c'est que d'anticaf tout ça. C'est que de l'anticave, ça va tomber très très vite. On est bon pour l'instant, 3% de perte. Oh non, c'est une blague, ça rentre pas. Les armes de siège ne rentrent pas. Bon, on va se mettre comme ça. Est-ce que vous pensez que là... Ouais. On va essayer de tirer par au-dessus. Bon, malheureusement, est-ce que mes balistes elles rentrent? Les balistes rentrent. Et les Wranglers rentrent pas. Attendez. Visiblement, non. Bon. Les balistes au moins rentrent. On va essayer d'amener les balistes ici. Oh, mais Wrangler qui tire. Oh, les cons. Tire pas. Mets-toi comme ça. Les balistes sont rentrées. Les balistes, on va les mettre ici. Voilà. Maintenant, j'amène tout. Hein. Maintenant, j'amène tout. Les trolls et compagnie. Voilà, le général. Les anti-armures. Là, on encercle la cave. On va faire descendre les archers. Oh, les pertes que je prends. Ouais, des Wranglers qui rentrent pas, ça fait chier. C'est quelle ville? C'est Imladris, figure-toi. Oh putain, ici, il me... Les trolls vont être parfaits dans l'infanterie légère. Dans la garnison. Voilà. On va se mettre comme ça. Allez, venez là. Allez, chargez de l'infanterie en support. Allez. Oh là là, ils sont... Voilà. Allez, fais le ménage.
Les balistes. Les balises, je veux que tu tapes Arche Sindar, Kalenki Lord. Il y avait deux généraux dans Star Wars. Où sont les autres cas? Il me manque un Kalenki Lord. On va venir comme ça. Et on va commencer à faire des petites flèches, des petites piqûres. Allez, ici feu, tape dans les Arche Sindar. Là, on se débarrasse de la cape. Là, j'ai mon anti-armure. On va prendre ça en sandwich. Ça, c'est les garnisons, on peut les attaquer. Là, j'ai mon général. Voilà. Et avec mes balistes, on pourrait tirer dans les T2, les archers cibles. Parfait. Pouf. Ah oui, c'est bien de la merde. Hein. C'est très, très bien de la merde. En ce qui prennent mes mecs. Allez, l'anti-armure, c'est parti. Bon, là, on s'est débarrassé de la... Ouais, parfait. Oh là là, mes trolls ont été magnifiques contre des garnisons. Mes trolls sont faits pour taper les garnisons. Allez, si ça va tomber aussi. Est-ce que mes balistes... Oh, putain, non, mais c'est pas possible. Mes Wranglers, vous servez vraiment à rien. Arrêtez, vous allez faire du DPS pour rien. Il faut que j'aille taper les Kalenki Lords qui sont là-bas. Là, mes trolls, tu vas venir taper dans le dos. Ici, c'est en train de lâcher. Allez, elle se passe bien, cette bataille, pour le moment. Là, on a tout nettoyé. Il reste plus que 5 mecs. Les trolls... Viens attaquer la garnison. Ici, feu à volonté. Voilà, les trolls sont faits pour ça. De la petite infanterie légère. C'est quoi les pertes? On est à 24 à 38. Hein. Ça se passe bien. Les Kalenki Lords, ils arrivent. Ils arrivent, c'est eux que je veux taper. Allez, nettoie ça. Parfait. On va mettre l'anti-armure prêt à les recevoir. Bon, tant pis, on va taper. Oh, il y a les Kalenki Lords qui sont là-bas. Allez, c'est parti, feu à volonté. Ici, on a éclaté la garnison. Oh là, je suis pas en place du tout. Je ne suis pas en place du tout. Allez, intercepte-le. Oh, mon général, reste pas là. Ce mec est beaucoup trop fort pour toi. Oh là 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 là, c'est qu'il y a du monde. Mais attends, c'est pas des Kalenki Lords, où est-ce qu'ils sont les autres? Oh, mais ils sont là-bas, ils sont pas arrivés du bon côté. Non, c'est pas grave. Mes trolls. Hop. Là, on a nettoyé, voilà. Allez. Mes trolls sont en train de nettoyer les garnisons et compagnie. Bon, et voilà, l'autre Kalenki Lord. Bon, bah, on va envoyer tout mon anti-armure là-bas. Anti-armure. Au niveau troupes, je vais envoyer mes gobelins lourds aider les trolls. Allez, ça se passe bien cette bataille. Encore beaucoup de renforts qui attendent derrière. Mon anti-armure là. Mais mes balistes, s'il te plaît. Allez, les archers Sindar. Voilà, les trolls. Est-ce que j'ai perdu un troll encore? Non, parfait. Et mes trolls prennent vite de l'XP. On est en train de manger beaucoup d'unités. Anti-armure dans les Kalenki Lords. Les trolls sont game changer contre l'infanterie légère elfe, en fait. Surtout si je l'accompagne de mon infanterie, ce qui est le but. Voilà. Alors là, j'ai que d'anti-armure hein, contre les Kalenki Lords. Hein. C'est pour ça que ça se passe bien. Voilà, là, je déteste mes balistes. Hein. Les balistes qui font de la merde. Allez, là on charge. Les archers se régalent. Les archers font du kill là. Enfin, ils font du kill, ils font pas grand chose en fait. Ils font pas grand chose, c'est con. Et là, les trolls font le ménage. Là, les Kalenki Lords ne sont pas escortés. On est en train de les manger à petit feu. Même s'ils me font des pertes. Ah ouais, ils me font des pertes, putain, au secours. Allez, là ça fuit. Fantastique.
On va pousser. On va avancer avec mon petit corps là et on va les nettoyer. Tout ça. Ça, c'est de la garnison et de l'archer. Allez, tape dans le tas. Et les Kalim Killers, ils sont 29. Oh, ils vont être chiants, les longs à tomber. Hein. C'est le genre de troupe que je veux pas affronter, c'est ça. Oh là 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 là, ici ils sont 34. Ils sont en train de manger deux de mes unités en même temps. Allez, mes balistes. Ou alors, vu qu'on n'est pas pressé, je vais aller supporter avec mes trolls et mon infanterie lourde. Et là, on va rester en réserve et on va laisser les balistes faire leur office. Voilà! Voilà! On va taper le T2. Ici, mes anti-armures font le ménage. Là, je vais venir tirer dans le dos à bout portant. Ramener les trolls. Ramener l'infanterie lourde. Des pertes, on fait un 36 à 68, ça se passe bien. Allez, ouh, ça vaut cher, hein. C'est du T2, c'est pas de la merde. Allez, tire-leur dans le dos. Ici, ça tombe, hein. Ils sont plus que 10. Les anti-armures font le boulot. Oh, les balises qui se régalent! Allez, on charge. Et avec les balistes, on va tirer là-bas. Donc, on va aller attaquer les amplis Fender là, avec les trolls. Laisse mes archers tranquilles. Allez, tire-toi. Voilà. Allez, tire dans le dos. Même si c'est des piqûres de moustiques, ça fait quand même beaucoup de piqûres de moustiques. Allez, ici c'est encerclé. Allez, on attaque. On y est presque, hein. Dès que tu l'as perdu en auto. Je l'ai perdu en auto. Alors que là, je suis à 40% de perte quand même. Bon, il y a beaucoup de légers dans mon armée aussi. Ah! Tant pis, les balistes. Ouh, les balistes, il fait du friendly fire, ça suffit. Oup, hop, hop. Quoique, est-ce qu'on jouerait pas avec le feu? Là, pas dans le tas. Là, on les croque. Ici, c'est bon. Je vais prendre mes trolls et je vais aller aider là-bas. Et là, je vais continuer à tirer dans le dos. Ils sont plus de 22. Là, il doit rester plus que 3-4 unités. 7 unités, 7 Kalimki Lords. Ici on les mange. Je vais aller engager mes chanteurs. C'est de la troupe lourde. Ouh, boum. Eh, la précision des balistes, on peut quand même l'apprécier. Hein. Allez. Hop là. Mes trolls, s'il vous plaît. Pêchez-vous. Oh là là, les balistes, ils se régalent. Tire de précision. Allez, ils sont plus que 19. Là, il y a le général. Encerclé, ça va tomber. Oh, mes balises, qu'elles font! Allez, on attaque, les balises cessent le feu. Voilà. Là, on envoie des troupes supplémentaires. Et on va attaquer avec les trolls. Ensuite. Oh, magnifique, hein, le petit tir des gobelins là dans le dos. Face à une armée elfe, à une ladrice, 50% de perte, je considère ça comme une victoire épique et glorieuse. Hein. Surtout avec deux généraux en défense. Les trolls auront bien bossé pour casser les légers. Allez. Là, ils sont encore 17. Dommage qu'on ait pas eu Elrond. Hein. Bien dommage qu'il n'y ait pas eu Elrond. Non, mais là, regardez-le, il est seul. Il est seul, le Goog. Général Elf, pompétière. Bon, allez, ici c'est encerclé, c'est du Sindar, ils sont plus que 22. Ici mes trolls ont tout nettoyé, on va aller prendre presque tout.
sont plus de 4. On y est presque. On y est presque. Il va juste falloir finir de nettoyer ces Kalenki Lord. Vous vous rendez compte qu'en face, c'est de l'anti-armure. En face, ils ont mangé 2 unités, c'est de l'anti-armure. Ils sont faits pour ça. La vie commence à tank. C'est indécemment fort. Et le général, là, il est toujours vivant. Le général, il est toujours vivant. Hein. Il a que de l'anti-armure face à lui. Hein. Que de l'anti-armure. Bon. Ici, c'est fini. Reste un mec. Un général en moins. C'est parti. Un général en moins. On prend. Et on va faire transiter l'anti-armure dans le dos. Vous vous dégagez. Les tachons. Et on va venir se débarrasser de ce qui reste. Des... Oh, on fait très très mal. On va les charger dans le dos là avec mes hachers. Voilà. Allez, on la petite charge dans le dos. Chopez-les. Ça, c'est d'anti-armure. Et on en rajoute une dose avec. Voilà. Pas mal. Pas mal. On va pouvoir aller un peu d'accélérer. Il reste plus que. On la prend cette fois. Une armée gobelin T2, mine de rien, avec de l'orc et du Wrangler et tout, ça fait le boulot. Bon, après, il n'y avait pas grand chose en face non plus. Il reste plus que le général. Le général qui tank ad vitam aeternam. Fallait pas traîner non plus. Putain, allez, mais chopez-le! On l'a eu. Deux généraux, on a pris Mladris. Je suis pas sûr que ça fasse beaucoup de thunes au début. Hein. Pas de ma culture ni rien. Mais si ça peut me permettre de repasser en positif, ça serait pas mal. Sacré boucherie. Hein. Vous rendez compte qu'il m'a enlevé 50% de mon armée. Il m'a enlevé 50% de mon armée. C'est énorme. Bon, ça fait des salaires en moins à payer. Hein. Allez, on a pris Mladris, tour 108, on y est parvenu, enfin, après des déboires, un run compliqué. Allez, 2400 de thunes, il y avait une mission, on est repassé en positif, c'est pas mal. On va mettre des superbes armures, on va changer la culture, on va mettre une garnison. On va mettre une garnison tout de suite. Voilà, on est repassé en positif. On est repassé en positif. Oh là là, ici j'ai peur. Hein. Qu'est-ce que j'ai peur pour défendre? Baliste, Wrangler. J'ai beaucoup d'anti-armure, beaucoup d'archers. Il y a des gardes de Tarbad qui vont attaquer, mais il n'y a pas de général dans cette armée. J'aurai 3 garnisons OP en plus. C'est pas mal. Ok. Là, j'ai très très peur. Il y a quand même une jolie petite troupe qui arrive. J'ai plus d'argent. C'est parti, tour suivant. Tu vas pouvoir snowball, mais tu crois vraiment que je vais snowball? T'as pas l'impression que le Dunedin est devant 3 de mes villes avec des stacks? Où tu crois que je vais snowball? C'est lui qui a snowball il y a très longtemps. Et là, il est en train de snowball sur ma gueule, tu vois. Je suis en train de saigner de l'anus, tu vois. Et il y va au gravier. Y'a pas de snowball là! Là c'est de la défense le plus longtemps possible! Ouais, c'est moi qui vais shitball, ouais! Oh putain, le Dunedin là, les. Karnboun tient toujours, je crois que Karnboun a tenu, je crois que Gundabad a tenu. Imladris, sacked! Ça c'est une bonne nouvelle! Voilà. Ça, on prend. Complète. Je vais prendre mes trolls et je vais aller les recompléter immédiatement à Zakkala.
avec l'espion. Attends, je vais voir un peu ce qu'il y a dans cette armée. Il y a trois généraux. Il y a trois putains de généraux. Oh, j'ai pas grand chose pour défendre. Hein. J'espère qu'il va m'attaquer parce que. Ok, ici, il m'attaque pas encore. Ça devrait pas tarder. Bon, au moins, on fait de l'argent. C'est le bon point. On fait de l'argent. Je pourrais éventuellement virer des unités qui ont trop pris pour aller les recompléter avec le troll, avec Kala. J'aurai la garnison prête dans deux tours. Okay, quoi qu'il arrive, j'aurai une garnison opérationnelle. C'est compliqué. Ici. Est-ce que ici, je ferai pas ça? Get ready for fighting. Come on. Juste pour apporter du support avec les arbalétriers. J'ai double arbalétrier warg. Et ça permettrait d'avoir un support pour attaquer dans le dos. Et en plus, ça me permet là d'avoir la garnison de prête. Board breeder. J'essaie de relancer des bâtiments éco, même si là, l'économie. Je suis au bout de ma vie. Je peux même pas réparer mes bâtiments ici. Ok. Je fais encore 2800 d'income. Tour suivant. Énorme bataille dans les mines de la Moria. Double garde de Tarbad! Mes Wranglers, je compte sur mes Wranglers. Mes Wranglers vont devoir faire du kill. Heureusement, je vais avoir une zone de déploiement assez incroyable pour mes armes de siège. Je vais mettre mes Wranglers assez près, mais pas trop près. J'ai retenu la leçon la dernière fois. Voilà. Le but va être vraiment de les fixer. Et là, je vais défendre très en avant du dispositif. Et le but va être de faire un pâté. Je vais remettre en place après les troupes. Hein. J'ai quand même beaucoup d'anti-armure. J'ai beaucoup d'anti-armure qui vont être très pratiques. Pour boucher les trous. Voilà. J'ai aussi beaucoup d'archers qui vont pouvoir s'abattre. Mais j'ai beaucoup d'archers. Hein. Les Wranglers. La dernière fois, j'ai mis les Wranglers un peu trop près. Mais je veux vraiment. Il faut qu'ils soient prêts pour faire des tirs de précision, les Wranglers, en fait. Il faut vraiment qu'ils soient prêts. Là, les archers, éventuellement, eux, tout ça. Enfin, c'est des archers, des Snaga, ils vont rester en réserve. Et on fera du turnover avec les tireurs. On va faire du turnover simple et bête. Comme ça, voilà. Et on tournera. Là. C'est d'autres renforts que j'aurai en perce armure. Et j'aurai du gobelin lourd en réserve pour boucher les trous. Et on va tourner. Hein. Easy win. Quand t'as deux gardes de Tarbad et un full stack Tunedin, y a pas de easy win. Ça peut très très mal se passer. Mon général en réserve. Hop là, ça c'est le feu, parfait. On enlève ça. Hop. Hop, bon, va falloir mettre en place toute cette armée maintenant. On va utiliser tout le flanc ici pour faire un pâté. Là, on va venir boucher comme ça l'accès. Voilà, parfait. Là, j'aurai une deuxième ligne au cas où. Comme ça. Là, j'aurai de l'anti-armure de près. De l'anti-armure.
les javeliniers, je vais les amener ici. Voilà. Là, le but va être de les tenir. On va activer les phalanges. Et là, normalement, mes Wranglers vont tirer de très près. J'ai peur du désastre hein, avec les Wranglers. Hein. Mais j'ai pas... Voilà. C'est quoi ces bruits de poule? Bah, je sais pas, je suis pas allé leur demander le bruitage, tu vois. Hein, tu m'excuseras. J'ai un peu d'autres priorités, là, à l'instant T. C'est pas comme si je jouais ma run sur une bataille, tu vois. Hein. Donc ouais, je suis pas trop inquiet du bruit de poule de mes unités. Bon. Ils arrivent. À 3 unités, mais sans même avoir un bug. Non, je sais pas. Peut-être que c'est la Moria ou... Aucune idée. À quoi c'est dû? La cavalerie en premier, non. Les lignes d'un. Warden. Le reste suit. Les gardes de Tarbad. Bon, regardez-les. Vous les verrez pas souvent, ceux-là. Surtout tour 110. Battez les monstres. S'ils sont pas superbes. Non mais l'armée au secours! Du Dunedin! C'est même pas du gobelin, c'est du Dunedin! Du Dunedingue, on va dire même. Par contre là, avec les balistes, on va pouvoir saucer les gardes de Tarbad. C'est parti. Allez, les gardes de Tarbad. On les chope en visuel. Allez, vas-y, viens. Voilà, le tir va être parfait. Là, je vais attendre un petit peu avant de saucer avec les vrais... Oh, il tire dans... Okay, il tire dans mes garnisons, c'est fait pour. Et là, vous savez quoi, les Wranglers, il y a tout qui arrive. On va encore attendre un petit peu. Vous savez quoi, je vais être pas sur les Wranglers. Ah, la sauce que je prends. Là, on va pas ouvrir le feu. J'attends avec les Wranglers. Mais je prends même la sauce ici. Putain, mais la quantité d'archers. Et les balistes, elles tirent pas? Les balistes qui tirent pas, je suis fatigué. Ok, les Wranglers, vous savez quoi, les Wranglers, je crois qu'on peut y aller. Hein. C'est parti, feu à volonté, les Wranglers. On n'est pas loin. Là, c'est engagé. Allez. Oh là 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 là. Là, les Wranglers, il faut me mettre quelques très très beaux points. Ça tire. Et c'est particulièrement merdique pour un premier, encore pas mal. Ouh, oh là là, non. Les balles pistolets. Tiens, à un moment, on va faire quelque chose. Et là, ça tombe. La cavalerie, c'est parfait. On va même attaquer. Allez, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bon, celui-là aussi est parfait. Allez, bam. Eh, pas mal. Bon, même celui-là. Pas mal. Allez, continue à s'abattre. C'est parti. Là-bas, garde de Tarbad, il y a double garde de Tarbad là-bas. Allez, au niveau des pertes, on leur fait pas mal de pertes, 10 à 15. Oh, c'est du Wrangler ça. Oh, mais quel tir de merde! Comment il fait pour se louper autant? Il y a des sites partout, il arrive à se taper le seul endroit où il n'y a pas de. Non mais arrêtez, tirez bien, bordel, trop à droite, trop à gauche, au centre. Bon, oh, les balistes, elles bossent. Hein. Voilà, ici, les unités, elles se font découper. Oh putain. Oh bah on vient de se faire leur capitaine, c'est une bonne nouvelle.
Oh, bam, pas mal. Bam, pas mal. Allez, ça s'abatte, là. Est-ce que le Wrangler arriverait pas à mettre un coup? Non. Le Wrangler, je vais le mettre en pause un petit peu. Oh, joli. Joli, pas mal. Eh, on fait du kill, hein. Là, ça fuit, allez. Eh, attends, ça fuit à 206. J'ai mal vu. Non, ça fuit à 40, je me disais bien. C'est pas grave, on va les intercepter. Il y a tout qui fuit. Regardez, tout fuit. Tout fuit. Il a perdu son capitaine. Bon, là, je vais engager ma deuxième unité. Parce que là, c'est compliqué. Ça fuit, regardez les prisonniers. Regardez les prisonniers. Les Wranglers qui ont fait du DPS. On va taper là-dedans. Là, on va taper là-dedans. Et on va tenter ma chance. Non, on fait chier le mur. C'est bon, ça. Allez, vas-y, avance-toi. Oh non, mon Wrangler, arrête-toi. Ok, là, ça fuit, mais voilà, voilà. On a déjà fait 300 prisonniers. Les balistes font du FF, ouais, ouais, je sais. Je voudrais bien que mes balistes, elles tirent là-haut, mais elles tirent pas. Allez, les Wranglers, s'il vous plaît. Mais prenez... Ah ouais, il y a des connards qui sont passés dans le coin. Ok, ça avance. Le problème, c'est qu'il y a toutes les gardes de Tarbat qui attendent encore en réserve. Avec des mecs derrière. Il y a encore beaucoup de troupes ennemies. Mais on est en train de la gagner. Allusion. Ici, je vais engager les anti-armures. Allez, allez, allez. Allez. Juste quelques tirs précis. Je sais pas pourquoi les balises veulent pas tirer là-bas. Il est merdique. Oh là là, mais ils sont nuls à chier! Putain de Wrangler de merde! Comment ils font pour se louper autant? Bon, là, mes archers, je vais les dégager, ceux-là. Ils ont fait le coup de feu. Je vais amener mes archers neufs. Je vais amener mes archers frais. Casse-toi. Voilà. Voilà. Allez, là, ça grignote. Taper là-dedans. Je vais garder mes Wranglers en réserve pour plus tard. Et on va les grignoter comme ça, d'accord? Simple, efficace. Pour mieux faucher dans... Non, elles sont très bien placées, mes balises. C'est juste que c'est pas facile de... Ouais, je vais peut-être les mettre comme ça. On va voir si elles veulent bien obéir. En soi, la bataille se passe pas trop mal. On temporise. Oh putain, il y a du monde là-bas qui arrive. Ok, on a une garde royale de Tarbat qui arrive. Je vais tenter ma chance. Allez, les Wranglers. Ici, feu à volonté. C'est parti. Oh là 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 là, ça y est, ça attaque la deuxième vague. Cette fois, ça passe. Cette fois, ça passe et c'est pas mal. Bam. Oh, du T2. C'est du T2 qui tombe. C'est magnifique. Et rappelez-vous qu'ils ont perdu leur général. Ils ont perdu leur général, hein. Le moral va tomber très très vite, hein. On prend des pertes aussi, hein. On prend des pertes, on a même pas mangé la moitié de l'armée ennemie, hein. Oh, les gardes de Tarbat sont tellement tankés. Oh, ils se barrent, putain. Celui-là est pas mal. Non, non, il est merdique. Oh, oh là là, ok. Pas mal, allez, dedans. Non, bon, allez, feu, c'est le feu. Voilà. Là, on va économiser les tirs de baliste aussi. Il va devoir me chercher. Hein. C'est lui qui attaque. On est en train de le grignoter. Oh, ici, j'arrive pas à les battre. Les T2, là, ils sont impitoyables. Hein. Même les Rangers. Bon, j'ai encore de la réserve, hein. Attention, hein. J'ai encore mes gobelins lourds et tout ça, c'est pas les troupes qui manquent. Par contre, les anti-armures, ça va commencer à faire la gueule. Pourquoi tu tires le Wrangler? Je te dis d'arrêter de tirer! Mais non, mais pourquoi il fait des tirs aussi merdiques? Oh là là, le gâchis! Ah, pas c'était une, t'inquiète, elle bat en retraite, c'est le jeu. C'est pas un problème. Non, les grignotes.
les archers, on va les mettre en pause. On va essayer de manger ses unités peu à peu. Là, c'est dans le rouge. Son moral est pas très très bon. Là, ça fuit, voilà. Parfait. Je vais garder en réserve mes perces armures. Et là, on va attaquer la milice de Brille. Non, où tu vas, 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 où tu vas. Ça fuit, ça fuit, ça fuit, ça fuit. Regarde, eh, vous savez qu'on fait, on fait des prisonniers, hein. Près de 500 prisonniers. Moi, je la prends cette win. Hein. Bon, c'est pas encore fini, hein, parce qu'on a... La garde de Tarbad est encore en réserve. Ok, la garde de Tarbad revient. Cette fois, mes balistes vont faire des, je l'espère, des tirs dedans. Allez, ici. C'est officiel, on les a repoussés. Bon, la garde de Tarbad qui revient. Allez, feu à volonté avec les Wranglers. On lui a déjà fait des pertes dans la garde de Tarbad. Eh non, les balistes, je suis outré de vote. Allez. La garde de Tarbad, voilà, 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 boum. Oh, le Free Fire. Allez, dans le rouge, la garde de Tarbad. Là, je vais aller l'encercler. Hein. La garde de Tarbad, là, elle a pas de support. Je vais l'encercler avec mes perces armures. C'est une... Le Wrangler, c'est le feu. C'est ce que je fais aussi, toi, là. Tire pas, espèce de connard. Ne t'avise pas de tirer. Et, oh là, putain, il tire. Voilà, encerclé. Avec du perce armure, j'attendais ça. Maintenant, faut me les manger. Voilà, ça tombe, ça tombe. Regardez comment ça tombe dans le dos. Ben oui, la garde de Tarbad, si elle n'est pas protégée. Putain. Bon, j'ai mes gobos lourds qui sont là. On va mettre plus de gobos lourds. Mine de rien, j'ai déjà pris 37% de perte. Qui a pas vu les Nord Freddy Fryer du Wrangler? Ah merde, je l'ai pas vu. J'ai loupé un Freddy Fryer. Oh, la garde de Tarbad qui est en train de me grignoter. Tranquillement. Regardez comment elle est bien placée en plus. Puis attendez, je vais mettre comme ça et je vais revenir charger dans son dos. Là, je vais essayer d'aller me débarrasser de ses unités avec les gobos. On va venir comme ça. On va continuer à envoyer des renforts. Oh là 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 là, la garde de Tarbad, allez. Hein. Oh non, mais là, il y a un cavalier, un scout du Nédain. Allez, retente une charge. Retente une charge pour casser son... Et merde, ma charge. À cause du cavalier. Le cavalier, regardez-le. Ah, je crois qu'on a eu le cavalier. Allez. Oh, il y a des renforts qui sont arrivés. Du Nédain. Là, on va essayer... Oh là là, oh là là, oh là là, il fait le forcing. Oh, ça fuit. Ça fuit à 62, c'est bon, ça. Il y a la garde de Tarbad qui revient. Hop, 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 feu. Tape là-dedans. J'ai très peur de vous envoyer mon Wrangler. Allez, le fait qu'ils n'ont pas un bon moral, là, ça s'effondre. On les grignote. Je porte pas chance. Non, non, je peux pas. Je peux pas tirer au Wrangler, c'est beaucoup trop grand. Hein. Je vais me foutre en l'air. Par contre, les balistes, là, peuvent peut-être faire de pression. Là, c'est dans le rouge. C'est dans le rouge. On va essayer d'infiltrer les gobos. Oh, mais les balises. Mais qu'est-ce que tu fais, espèce... Putain, mais hey, les armes de siège sur cette carte. Quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, infiltre-toi, infiltre-toi. On va encercler. Oh, la garde de Tarbad ici qui veut pas lâcher. Voilà. On prend. Je crois que j'ai fait plus de Free and Fire qu'autre chose. Là, pareil. Oh, putain. Oh, les tirs de balise de l'an... Magnifique. Oh, ça fuit. Elle fuit à 101, la garde de Tarbad. C'est incroyable. Une garde de Tarbad qui fuit à 101. C'est ce que fait les balises. Je vais faire le Free and Fire, là. Allez, une de moins. Tout ça, là, qui s'abatte.
Oh les prisonniers, oh les prisonniers, les prisonniers. Et on va le laisser avancer. Ça lui de venir me chercher. Là on va capturer tout ce qu'on peut. Ça fait du bien, hein. J'ai le droit à un peu de bonheur aussi, non? Ouais. J'ai aussi le droit de... Voilà. Un peu de bonheur. Bon. Il va devoir passer à l'attaque, hein, à un moment. Il va devoir bouger son graboule. Et venir me chercher, hein. Putain. 50% de perte. Tu rançonnes tous les buts, c'est une bonne question. Je serais tenté de les rançonner pour l'argent, mais... Le problème, après, ils vont aller se reformer, quoi. Je les ai battus, ils vont revenir. Genre la garde de Tarbat, là, elle va se reformer. Ça me fait un peu chier, quoi. Est-ce que là on n'arriverait pas à faire un tir dans leur tronche là? C'est là-bas là. On va voir si mes balistères, mes ministères sont balèzes. Il va devoir m'attaquer. Ah, on a tué quelqu'un. Non mais il a. C'est quoi ces archers là? Vu la portée que ça a, ces merdes! Il est pas mal, il est pas mal, il est pas mal! Oh non! Loupé, dommage. Ah, pas loupé, hein. C'est à lui de venir me chercher. J'en ai rien à foutre. Oh, ça passe pas. C'est à lui de venir me chercher. Moi, je bouge pas mon bout là. Bah c'est ça, c'est plus judicieux de les buter absolument. Mais j'ai désespérément besoin de l'argent. J'ai désespérément besoin des thunes. Attends, il s'est reformé, c'est une blague? Je crois qu'il... Non mais il fait quoi là? Il tire encore, ok. Bah écoute. À un moment il aura plus de flèches, hein. Visiblement, il me fait pas de perte si vous regardez bien. Il doit tirer dans le mur. Oh, il tire dans le mur, ce con. Ok, il arrive. Parti! C'est des belles troupes. Il y en a encore un derrière. Qui tire encore. Comme si ça suffisait pas. Tirer. Il est déjà shaken. Oh la petite brochette. Il y a eu un petit friendly fire là. Et ça fuit déjà. Ça fuit déjà. Il y a les autres qui arrivent derrière là-bas. C'est parti. Allez hop. On recommence. Voilà. If we continue like this, we will smash the enemy. Cette bataille de l'enfer. Et il faut que je les fasse. Hein. Elle est importante cette bataille. Mon run s'arrête là quasiment si je l'avais perdu. Donc 96% de perte. Il reste plus qu'une seule unité là. Du ranger. Il va devoir venir me chercher là. Là il me fait des pertes, mais c'est pas grave. Allez mes Wranglers, faites-vous plaisir. Cramez ce que vous avez, ce qui reste. Non mais. Ok. Oh, pas mal. Ok. Les Wranglers sont nuls à chier à longue distance. Hein. C'est quand même dingue. C'est vraiment une arme qu'il faut tirer de très près, mais c'est... C'est vrai que les rançonnés, au final, on est en défense maintenant. Puis bon, on en voit maintenant, ouais, on est.
chercher. On va aller s'amater. Voilà. Regardez les T1. Regardez les T1 gobelins, ce que ça fait à du T1, à du Dunedin Ranger. Voilà pourquoi les gobelins sont aussi rentables face à du T1 ennemi. Allez, maintenant on va les charger. C'est parti. Et on va leur casser la gueule. Je tire pas avec tes balistes, ça suffit, t'as rien pour les. Voilà. Sous les checkpoints vers les Wranglers, ouais. C'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que sur cette carte, il envoie pas tout d'un coup. Il envoie ses unités au compte-gouttes, ce qui fait que t'as jamais de gros stack comme dans les autres maps que j'ai fait avant où il s'agglutine. Là, il fait pas de choke point. End battle. Hein. Non, continuez, allez, voilà. On a fait 949 prisonniers. Je vais rançonner et essayer de faire de l'argent. Pas de pitié pour les humains, j'ai besoin d'argent. J'ai désespérément besoin de thunes pour entretenir des troupes, faire des nouvelles défenses et tout ça. J'ai besoin d'argent. S'ils peuvent me payer genre deux... Là, vous savez que c'est un... Il y en a pour 8000 de thunes, je pense. Avec tous les T3, les gardes de Tarbad et tout, il y en a, je pense, pour 8000 de thunes. Une deuxième baliste. Ouais, ou même les trois. Hein. 9300 j'en sonne. Il paye pas. Il paye pas d'attaque. Par contre, là-bas, ça commence à devenir inquiétant à Brunost qui n'attaque pas. Mais il paye pas, Dunedin. Je pensais qu'il paierait, moi. Mais il paye pas, visiblement, cette espèce de rat-là. Ouais, 9000 de thunes, tu payes, hein. Bah, le Dunedin, c'est vrai que par logique, il est radin, hein. C'est pas grave, hein. Eh, on s'est débarrassé de deux gardes de Tarbad. D'un full stack. Là, je vais avoir un bon tour parce que, bah, forcément, mes unités se sont cassées la gueule au niveau nombre. On a sécurisé Imladris. Imladris va être plus facile à défendre que le reste. Enfin, ouais, Imladris, comment je vais défendre Imladris? Fornost a été reconstruite. Oh là là, le Dunedin. Karmdun sous siège. Nouvelle mission, Fenas Durin. Ouais, tu veux que j'aille prendre la capitale maintenant? C'est un super général, ça passera jamais. Je tente ma chance. Même si je pense que ça passera pas. Draw. Ouais, mais bon. C'est pas un draw qui m'intéresse, moi. C'est rare, le draw. Hein. C'est rare, le draw, hein. Fait chier, ça m'arrange pas du tout, le draw. Hein. Parce que là, s'il veut pas attaquer, ça va être à moi d'attaquer, sauf que j'aurai pas la garnison, quoi. J'aurai pas la garnison, et ça va être compliqué sans la garnison. J'aurai bien l'armée de renfort. Combien de tours il me reste? Combien de tours il me reste? Il me reste encore 4 tours. On a un peu de marge. Là, je vais aller recompléter Azakala mes troupes. Hop, hop, mais voilà. Ici, dans un tour, on a fini. On a mis de l'armure. En soi, Imladris, il tente même pas de venir reprendre le merdier. On est pas mal. On est pas mal du tout. Hein. On est bien posé. Hein. Tellement bien posé qu'on pourrait peut-être alléger la défense. Et continuer, essayer d'aller recompléter les pertes. Azakala. Et se préparer à envoyer des renforts. Voilà. Ah, c'est con qu'il n'ait pas payé la rançon. Bon, ici, il faut compléter les pertes. Hein. Dans mes lourds, voilà. Mes anti-armures. Mes Wranglers. On répare. Ok. C'est pas mal. Ici, on a de quoi les accueillir. On est très très bien posé. De la bonne troupe anti-armure, du lourd, du Wrangler, de la baliste. J'ai peur de rien. Et ici, il faut compléter aussi. Oh là 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 là. C'est un tower défense de l'enfer. Hein.
Et les elfes qui ont repris Coblington. Où est le Balrog, Pépé? Dans le cul de ta mère. T'as Alex, c'est quoi ces questions de merde? J'aimerais bien avoir le Balrog, mais j'en ai pas. J'ai rien. J'ai rien. Je suis pauvre as fuck. Bon, au moins je fais de l'argent. Allez, tour suivant. Putain, quel enfer. Il attaque. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est parti. Je vais pouvoir venir dans, attaquer dans le dos avec mes arbalétriers. La situation est pas mal. Ce run est très très difficile. Tentez pas ça, genre vous installez le mode. Oh, c'est une blague. Je suis en terrain ouvert. Ah merde, ça c'était pas prévu du tout. Ça c'était pas prévu du tout. J'ai pas vu. J'espérais que ce soit que je serais en défense de ville là. Bon, je vais devoir utiliser efficacement mes arbalétriers. Mon général il va attendre. J'ai mes renforts qui arrivent là-bas. Oh putain. Moi qui espérais défendre en ville. Ça c'est pas bon. Oh, il a de la cave en plus. De la cave lourde du Nédain. Non. Oh là là. Oh là là. Je vais me faire savater par ces archers. Oh, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout cette bataille. J'ai fait de la merde. Quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Bon, on va se tirer de là. On va aller rejoindre l'armée principale. On va aller... Oh putain, il rush. Il rush comme un débile. Je suis pas du tout en place ni rien. Et j'ai même pas la garnison. Mais c'est le pire cauchemar, cette bataille. Putain, je pensais que qu'il attaquait la ville, mais il attaque pas la ville. Oh, regardez où je spawn en plus. Les scouts du Nédain, il a l'armée pour me contrer. Oh, je vais sûrement perdre. Hein. Et là, je suis même pas en place avec mes balistes. Je vais jamais réussir à arriver à temps. Ok, là, j'ai quelques wargs. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être très très compliqué tout ça. Allez, ramène-toi ici. J'ai que... Non, mais j'ai clairement pas d'armée. J'ai pas d'armée. Lumberman. Oh non, non, mais la cave lourde du Nédain, elle va être terrible. Elle va être terrible. Je vais essayer de les... Voilà, le feu. C'est ça que je veux avoir. Oh, mon général, là-bas, barre-toi. Mon général qui s'est fait accrocher. Non, barre-toi. Je peux rien faire. Mais quelle prise de fight de merde. Pourquoi l'IA m'a fait ça? Oh là 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 là. Et mon général qui va mourir là-bas. Je peux rien faire. C'est le pire. C'est un désastre. C'est un désastre et c'est le moteur de jeu qui me baisse. Et voilà, là j'ai perdu mon général. Quel enfer. Quel gros enfer. Mes balises ne me servent à rien. J'ai... Oh non, mais... Non, mais si je suis pas aidé comme ça aussi... C'est compliqué, quoi. Ok, là on est en train de les tomber, les... Bon, je perds un général. Oh, et là, il va venir... Oh là 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 là. Allez, feu, tape dans le dos, là. Allez, les balises, je demande juste un tir de baliste. Oh, j'avais pas activé les flammes. Là, les arbalétriers font le taf. J'ai envoyé mon général dans le tas. Ouh, le Wrangler qui fait plaisir. Ok, cesse le feu. Oh, mais non, il m'a...
J'ai un général qui a fui. Oh putain, mais... Oh, c'est compliqué. Mon général qui se fait... Le Wrangler, mais le Wrangler, non! Mais qui a tapé dans mes... Je lui avais dit de cesser le feu à ce Wrangler de merde. Oh, mais il est encore tout ça de cave, mais c'est pas possible. Oh, ma cave est en train de disparaître. Je me fais manger. Je me fais manger. C'est un désastre, cette bataille. C'est un désastre. Là, il y a un mec qui me fait chier. Il a mangé cette campagne. Je suis désolé, mais j'ai pas mérité ça. Oh, il a tué mes mecs. Oh non, il y a pas mal de cavaliers ennemis, visiblement. Le désastre, hein. Le désastre! Le pire cauchemar que je pouvais avoir, c'était ça. Et il me l'a fait. Baliste. Allez, tiens, pourtant, ça, ça passe. C'est bon, merci pour ça, là. C'est un coup en ce moment. Je suis en train de dire Iron Cross. Oh, il est beau, celui-là. Allez, ça tient encore. Reprends tes balistes. Oh, il attaque les Wranglers. Non, trois caves lourdes. Faut que j'amène mon général. Et ce qu'il me reste de chanteur. Oh, là-bas, il est en train de manger ma cave. Oh là là. Faut rien faire. Allez, trois cavaliers là. Non mais s'il vous plaît, c'est de la cave lourde, hein. C'est ingérable. Hein. Et il part tranquille. Et il a trois... Bon, comme ça, c'est trois unités, c'est trois généraux. Hein. Il a trois unités de garde du corps. Hein. Cette espèce de connard là. Oh, et sa cavalerie qui revient, ces deux cavaliers qui reviennent. Il arrive. Et les balistes qui mettent 10 ans à s'aligner. Et là, ça revient toujours dans la merde. Et je réussis pas de tir aussi. Là, j'ai tué un cavalier. Là, malheureusement, je suis en train de me faire découper par la cave de Cardolan. C'est un désastre. Et je fais que des tirs de merde, sinon c'est pas drôle. Dans quel monde je lui ai fait 53% de perte? Oh là là, il me découpe, il me découpe. Il me découpe. Je peux rien faire. 37 cavaliers. Il est en train de manger mes archers. Et là, il fait le tour. Bon, celui-là est pas mal. BAM! Bon, on n'a pas tué le général, malheureusement. Allez, les balistes, c'est un peu portant, là. Allez, voilà! Boum! Allez, on fait du kill! Si j'arrive à me débarrasser de ces putains de cavaliers, ça me mettrait tellement bien. Là, ça va être un peu portant, hein. Allez! Il joue au con, là, utiliser ses archers. Allez, le Wrangler! Oh, trop loin, non, même pas. Allez, hop, loupé! Il faut que je me débarrasse de ces cavaliers de merde, mais j'y arrive pas! J'arrive pas à tuer les cavaliers! J'ai plus assez de viande! C'est les cavaliers qui vont me tuer. C'est les cavaliers qui vont me tuer. Putain, je suis vraiment dégoûté de cette bataille. Hein. J'ai pas mérité ça. Hein. Que le moteur de jeu me baisse comme ça.
c'était la pire chose et c'est de ma faute, j'aurais jamais dû envoyer ma cave. Et j'ai même pas tué un seul général. 22, oh là là. Il va tuer mon général. Mon général est en fuite. Bon, moi mon Wrangler a tiré. J'ai tout tiré avec mon Wrangler. Fais chier, je perds une ville bêtement, putain! Je peux pas me permettre ce genre d'erreur, quoi! Ça serait, je pense que ça serait passé en défense si j'avais voulu faire comme. Ouais, bah, je me suis fait niquer. Il a fait la strat que les gens me disent fais pépé pour faire sortir la garnison. Je suis très très salé là. J'ai pas déjà pas beaucoup de villes, mais si je les perds comme ça en plus. Fais chier. Oh, que je suis salé. Et je perds ma ville. Oh là 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 là. Quoi que non. Je la perds pas, ma ville. Ma ville, je la perds pas parce que je me suis replié dedans. Et comme il a lâché les armes de siège, il va lui falloir un autre tour pour la reprendre d'assaut. Je vais renvoyer des renforts. Ma ville n'est pas tombée. Il a peut-être bien joué, mais la contrepartie, c'est qu'il peut pas attaquer la ville. J'ai réussi à... Y a quelques connards ont fui. Je vais envoyer un max de renfort. Faut pas que je la perde. Là, je me suis laissé surprendre complètement. Et là, tu auras les garnisons. Ouais, j'aurai les garnisons. J'espère que le Wrangler a... Je pense pas que mon Wrangler ait aussi à se barrer, malheureusement. Si j'ai au moins une arme de siège qui s'est barrée, parce que mes armes de siège sont décisives en défense. C'est ça qui fait la différence. Parce que j'ai pas la qualité. Oh bah écoutez. Hop. Mon Gundamad assiégé, Edoras assiégé. Eh, à Brunost, on a sauvé pas mal de trucs. On va même pouvoir recompléter. On va même lever des archers. Et... Allez, la triplette de généraux, là, au secours. Hein. On s'en sort pas mal. On va continuer à recompléter ici l'armée. Hop, hop. Bon, j'ai un nouveau général qui est arrivé, c'est parfait. Il va pouvoir aller à Azakala prendre le commandement. Ah non, ça c'était mon chef de faction, je crois. Ah non. Voilà. Et on fait de l'argent. Vous vous rendez compte? On fait des thunes. Contre toute attente, on fait de l'argent. Ici, je vais continuer à compléter mes pertes précédentes. Voilà. 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 Et je vais aussi commencer à... C'est vrai que c'est bizarre que j'ai accès aux trois... Je pense que c'est Est-ce que la Moria a un bâtiment spécial? La Moria n'a pas... Comment ça se fait? Quelqu'un a une explication de pourquoi j'ai 3 unités en garnison alors que j'ai pas le T2 des garnisons? Normalement, vous voyez, là, regardez, 3 unités upgradées, mais c'est vrai que moi, mes 3 garnisons qui ont pop, j'ai 3 garnisons alors que j'ai pas le T2 supérieur, mais elles sont pas upgradées les miennes. Elles ont juste l'expérience. T'as déjà un général à Zakala. Bien vu. Absolument. Parfait. Bon bah lui il va partir dans le sud. Hein. Il va partir dans le sud. Et là on va recompléter les pertes. Putain. Il me faut des troupes plus fraîches. J'ai pas d'anti-armure, rien, on va sortir du clodo. Il a ses cavaliers encore. Il a ses merdes de cavaliers. J'ai pas d'anti-cave. Ce que je vais faire, c'est que je vais lever. Je vais mettre 2 unités anti-cave. Le temps de temporiser pour les Wrangler. Quel enfer cette bataille. Imladris, on a fini la garnison. On va pouvoir mettre, changer la culture. On fait de l'argent. Hein. C'est vrai qu'on fait des thunes. Je suis encore dans cette partie. Contre toute attente. Wrangler. C'est parti. J'ai 2 Wrangler. J'ai 2 Wrangler en construction. Et allez, le donjon. Ma situation est pathétique. Ma situation est pathétique, mais je fais de l'argent et je suis en vie. Voilà. Avec la même, j'avais 2 unités. J'avais 2 avec raton avec armure alors que j'avais seulement. Ouais, il y a l'air d'avoir parfois des bugs sur les garnisons ou des. The Lonely House. Oh.
Tour suivant. Ok, on a réussi à Bruinost à minimiser la casse et on n'a pas perdu la ville. Par contre, il va recevoir des renforts. Voilà. Est-ce qu'il va attaquer? Il attaque pas. Il attaque pas à Bruinost. C'est parfait. Le donjon de Yunstar. Tiens, d'ailleurs, il y a Yun qui fait du Company of Heroes. Je vais aller voir ça. Ce run est abominablement dur. Hein. Mais je tiens, je suis vivant. On va aller voir un Togglefo et on va aller voir ce que fait l'IA, d'accord? Ah, vu que c'est peut-être certaines villes capitales qui ont... en effet, ouais. Vu que c'est considéré... À la... Mais tu sais que c'est plus, même plus ma capitale, vu que j'ai perdu... Ah, je crois que c'est Zakala, ma capitale. Ou alors j'avais perdu... En fait, j'ai perdu quasiment toutes mes villes à un moment. À part Kazakhdoum Est, j'ai perdu toutes mes villes à un moment dans ce run. Oh, nouveau général, hey, on récupère. Birig has fallen, ça c'est pas une bonne nouvelle pour moi. Parce que malheureusement, Birig a attiré l'attention de beaucoup de troupes d'une landings. Karn Dun sous siège, c'est la fin du pays de Dun, je crois bien. Le Hamburg est assiégé, ça c'est une bonne nouvelle. Écoutez, ok, on fait de l'argent. On fait de l'argent, on a des armées. Je vais continuer à recompléter ce qui peut l'être. On a deux Wrangler. Là, j'ai réparé le Wrangler. J'ai un autre Wrangler en construction. Là-haut, on va continuer. On va continuer. Attends, je peux pas recompléter ces troupes ici. J'ai pas accès à du... Ah non, j'ai... Ok, bizarre. C'est pas grave. C'est pas grave. Et à Imladris, j'ai déjà installé... on va vite. Ça va aller vite à Imladris. Hein. Hop. Allez, il faut que j'investisse pour avoir les... Vous savez que j'ai pas encore débloqué mes T3. Hein. Un de mes problèmes, c'est que... J'ai pas de T3. Bon, il me faudrait un général ici. Je vais prendre Jakku, là. Et tour d'après, tu vas venir à Bruinost prendre le commandement. Et je vais même prendre mes trolls et mes troupes en renfort. On va venir défendre Bruinost. Putain, je me bats avec des... Je suis tellement un giga clodo, quoi. Au niveau thune, ça donne quoi? 640. Il faudrait... Toi, je vais t'annuler. Et toi, là... Quoique, non, vous savez que j'aime bien pour défendre, avoir les petits murs pour le moment. On va focus le T3, les T3, plutôt. Voilà. PP a pris Imladris. Eh ouais, Papa Zoulou, j'ai pris Imladris. Une superbe bataille. Par contre, la contrepartie, c'est que j'ai perdu mon bled ici et que c'est irrécupérable pour le moment. Bon, je vais m'arrêter là pour ce soir. On va aller voir le Toggle Four. Est-ce que j'ai de l'aide qui va revenir? Est-ce que je vais être aidé? Est-ce que je vais être aidé? Ça se passe pas bien. Oh là là, Karn Dun sous siège par les elfes, par les nains des Red Luin. Au secours. Oh là là, le Veil. Alors, on n'est pas habitué à voir le Veil avec autant de stacks. Hein. Le Veil qui casse des bouches. Mais le Dunedain, il... Putain, le Dunedain... Ouais, je crois que c'est le Dunedain qui... Ouais, c'est ça. Le Dunedain a pris Birig. C'est pas bon pour moi, parce que ça, après, ça veut dire qu'il va se mettre en colère et qu'il va se rabattre sur moi. C'est l'Isengard qui fait le siège du Hornburg. Et on a le Mordor. Le Mordor est chaud. Le Mordor est pas mal, hein. Le Mordor a tenu Minas Tirith et ça bastonne. Sauron, au secours! Sauron! Oh putain. Ouais, est-ce que je peux recruter un espion? On va aller voir. Une adresse. Ouais, absolument. Espion, c'est parti. Ça va aider à la conversion. Putain. Ah, mais j'ai un nouveau général en plus qui a pop à une adresse. J'ai pas mal de généraux qui sont sortis. Hein. Bon. En tout cas, ça rigole plus. Hein. On défend. Efficacement, on turtle et on va continuer à défendre comme ça. Et je fais de l'argent. Je suis en défense, j'ai repris Imladris et je fais quand même presque 6000 d'income. On est pas mal. Bon, normalement la suite, peut-être vendredi soir, je crois. Non, ça c'est de la marotte. Ça c'est de la marotte, je vais pas toucher. Et sinon, demain, qu'est-ce que j'ai dit?
pour demain, attendez. Il y a le planning qui est en dessous. Heureusement que j'ai mis mon propre planning. Hein. Ouais, Panzer Corps. Oh, j'ai hâte de recommencer à faire du Panzer Corps. On ira faire la campagne de la bataille des Ardennes avec une option à historique que j'ai jamais réussi à finir. Et en soirée du War Tank, le gros tractor allemand. Et tour 1 de la dernière fois campagne. Non, là, je serai sur une autre campagne, Galpin. Bataille des Ardennes. Donc, on commencera en décembre 44 avec une possibilité d'aller en Aisto. Si ça se passe bien, mais j'y suis jamais allé, j'ai jamais réussi. Donc ça va être l'occasion de découvrir. Eh, regarde Galpin, j'ai ton émote qui est là. Hop. Regarde Galpin, hop. Ouais, Galpin, il a droit à une petite émote, ça amuse. Et ouais, et puis peut-être que je ferai du Foxhole ou un petit puzzle. J'ai envie de faire un petit puzzle chill. Chill sur un puzzle en soirée. Parce que j'ai bien besoin de chill un peu après ce run de zinzin là. Bon, je m'arrête là. Passez une bonne soirée, peut-être à demain. Sinon, passez une bonne semaine. Et puis moi, je vous dis à ciao, ciao. Allez, salut tout le monde, bye bye.